Alors, je voulais tester ce petit compresseur portable. Il est sur batterie. Donc, c'est une batterie multifonction. Vous avez ici une prise allume-cigare. Donc, je l'ai déjà présenté dans une vidéo, hein. Mais le principe, c'est que vous avez donc une prise allume-cigare, une prise USB, une petite lampe. Vous avez une batterie de démarrage en 12 volts, donc avec des pinces crocodiles. Et un compresseur. Et alors, ce que je me demande, c'est combien de temps il faut pour passer de 1 bar à 2 bars. Vous voyez qu'ici, on est à peu près à 1 bar pour gonfler des gros pneus, hein, des 235-75, pour passer de 1 bar à 2 bars. Donc, je vais lancer le gonflage. On va voir si le compresseur tient sur la batterie et combien de temps il faut. C'est parti. Bon, eh bien, nous voilà tranquillement à 2 bars. Ça a pris 9 minutes. Franchement, c'est pas mal. Le compresseur est légèrement chaud. Il indique une batterie à moitié charge, donc pas encore tout à fait vide. Donc, avec un peu de chance, on peut même gonfler 2 pneus sur une seule charge. Sachant que ce compresseur peut bien sûr être alimenté en 12 volts sur la batterie de la voiture, moteur tournant. Ça veut dire que 10 minutes par pneu. En 40 minutes, vous avez regonflé vos 4 pneus. 40 minutes, c'est long, mais c'est mieux que rien. Je pense que sur batterie, avec la tension supérieure de l'alternateur, ça devrait aller un peu plus vite. Le compresseur va tourner un peu plus vite. Ce sera à tester, mais si vous arrivez, mettons, à 6 minutes, 6 x 4, 24, 24, 25 minutes pour regonfler vos pneus. Bon, ça laisse le temps de discuter et de prendre l'apéro. Voilà pour ce petit test. À bientôt. Abonnez-vous pour d'autres vidéos, d'autres tests. Et n'hésitez pas à commenter si vous aimez ma chaîne. Merci, à bientôt.